Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarkulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec les pales du Chopa. Alors ce défi est un défi à étapes. La première étape est d'infliger 50 points de dégâts à des adversaires avec les pales du Chopa, ce qui vous débloquera 20 000 XP. La deuxième étape est d'infliger 150 points de dégâts, ce qui vous donnera 20 000 XP. Et la troisième étape est d'infliger 250 points de dégâts pour aussi débloquer 20 000 XP. Alors les pales du Chopa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les hélices de l'hélicoptère. Donc ce que vous devez faire, c'est choper un hélicoptère et ensuite essayer d'infliger des dégâts avec les hélices de cet hélicoptère. Alors pour vous aider, bien entendu, je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères de Fortnite saison 4. Alors servez-vous-en pour trouver un hélicoptère et être le premier à le choper et ensuite essayer de faire des dégâts à des adversaires. Alors il faut savoir que ça fonctionne aussi sur les acolytes qui se trouvent au fief de Fatalist ou à Stark Industries ou alors même au camp Kinjet. Cependant, j'ai essayé de faire des dégâts avec les hélices de l'hélicoptère, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et franchement, c'est très compliqué. Je ne sais même pas si ça fonctionne réellement. Alors, n'hésitez pas à foncer avec votre hélico. Même si vous touchez l'adversaire avec l'hélico en lui-même, n'hésitez pas à foncer dessus pour essayer de valider les dégâts. Parce que réellement, j'ai l'impression que les hélices, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc voilà, essayez vraiment de foncer avec votre hélicoptère sur les ennemis pour essayer de faire un maximum de dégâts et essayer de valider ce défi qui me semble très compliqué à réaliser. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce défi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swarkulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh.